La vie est remplie de choses inattendues. La vie est pleine de surprises. J'ai souffert à chaque instant de ma vie. Et j'étais méfiante. J'ai douté de tous mes proches. Mais quand j'étais tout petite, j'étais aimable et honnête. On parla des signes qui montraient la joie. Cela, c'est un fruit de mon existence. Mais non. Ma vie est remplie de chagrins et pleine de douleurs. Cela veut dire que je suis malheureuse. À cause de tout ce que je faisais pour que ça soit le mien. Je m'appelle Amara. Et ceci est mon histoire. Amara! 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 Es-tu sourde? Je suis désolée. Désolée pour ta misérable vie. Qu'es-tu en train de faire? Rien du tout. Rien du tout. Hey. Ok. Avons-nous assez d'eau dans cette maison, genre, toutes nos bouteilles sont-elles bien remplies? J'ai puisé assez d'eau pour nous deux. Cela ne répond pas à ma question. J'ai posé une simple question, genre, est-ce que toutes les bouteilles qu'il y a dans cette maison sont bien remplies? Non. Non. Tu as dit non. Te voilà en train de te relaxer. Pourquoi te comportes-tu comme quelqu'un qui a réussi dans la vie? Hein? Nous n'avons pas assez d'eau dans la maison et tu es là à te détendre. Avant, je ferme mes yeux et que je les ouvre, hein. Essaie de te tenir occupé, mon ami. Reviens ici, écoute-moi. Continue de faire cela, jusqu'à ce que je te dise d'arrêter. Est-ce bien clair? Mon ami, reviens ici. Tu ne bouges pas pendant que je parle. Tu restes là jusqu'à ce que je finisse. J'ai dit continue de puiser de l'eau jusqu'à ce que je te dise stop. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, tu peux bouger. Continue d'épuiser de l'eau. Oui, j'ai décidé d'épuiser de l'eau aujourd'hui. Arrête de me mentir. Il y a quelques minutes passées, tu m'as dit que tu avais fini parce que tu es fatiguée pour continuer demain. Même si tu ne me l'as pas dit, je sais qu'on t'a forcé à puiser encore plus d'eau. De quoi est-ce que tu parles? S'il te plaît, je dois partir. Je te parle, tu t'en vas. Parce que j'ai mentionné le nom d'Eosier. Tu es ma copine, non? Je t'ai toujours dit la vérité. C'est pas un problème, non? Anozi. Hey, Chichimo. Ano, comment tu vas? Chichimo, je vais bien. Comment vas-tu? Je vais aussi bien. Sois la bienvenue. J'ai apporté cette nourriture pour toi. Tu as apporté des fruits pour moi? Oui. Et ya. Hey, tu merci infiniment. Je t'en prie. Je sais pourquoi tu fais ceci. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Mais je t'en prie,
tu l'es parce que je me marie très bientôt. Pas encore. Et aussi longtemps que tu es encore célibataire, je vais t'aimer et me soucier de toi. Je comprends bien, mais... Même pas. Anosy, réjouis-toi de la nourriture. Je dois partir maintenant. Merci infiniment. Ok. Anno. Hein? Bye. Oh, désolé, désolé, désolé. Désolé, désolé, désolé. Je ne peux jamais l'accepter. Jamais. Aucun fils peut être déçu de son père. J'ai remarqué sincèrement ses mauvais comportements depuis qu'il est retourné de l'université. Voilà ce qu'il a fait. Je ne l'accepterai pas. Jamais. S'il te plaît, mon Seigneur, je t'en prie. N'oublie pas que c'est notre unique fils et c'est lui l'héritier du trône. S'il te plaît. Il peut être notre unique fils, mais il ne se bat pas pour le trône. Depuis qu'il est retourné de l'université, il crée toujours un problème après l'autre. C'est soit frapper le garde ou encore frapper la servante. Il fume et boit. Il n'a même pas le moindre respect pour la royauté. Il est têtu et il n'écoute personne. C'est maintenant qu'il pense à son héritage. Est-ce que c'est de cette manière qu'un prince peut se comporter? Dis-moi! S'il te plaît, je t'en prie, pardon. Il a promis de faire tomber ce palais si on ne lui donne pas sa part d'héritage. Il est juste un petit gamin que je peux facilement gérer. Fini avec cette conversation. Tu peux t'en aller. Je dis quitte ma présence. Dégage. Il n'y a pas de problème. C'est depuis quand? Chérie, puis-je te parler? Qui est-il? Anosy. Ne gaspille pas mon temps. Comme tu peux voir, je suis occupé. Je suis vraiment très occupé, alors ne gaspille pas mon temps. Si tu n'as absolument rien d'important à dire, tu ferais mieux de partir. Ne perds pas mon temps. Anosy, je ne veux pas que tu le prennes mal. J'étais en train de réfléchir. Madame, parle, non, je ne suis pas sourd. Ah, ah, pourquoi je t'affole tout ce que tu dois dire? J'étais en train de réfléchir et j'ai... Ça fait des années que je suis chez toi avant que ton père ne puisse mourir. Et tu es en train de te préparer pour payer ma dot? Es-tu donc si désespéré? Non, vas-y, dis-moi, es-tu si désespéré? Moi, je devrais payer ta dot. Pourquoi? Comment? C'est depuis quand? Je ne sais d'ailleurs pas ce qui s'est réellement passé entre toi et mon père. Si vous deux sortiez ensemble, je n'en ai aucune idée. Il t'a emmené ici, je ne le savais même pas. Ok, mon père m'a utilisé pour te régler ton compte. Qu'es-tu en train de dire? Écoute, ne me mets pas en colère. Tu n'as aucun droit de dire une chose comme ça. Je ne suis pas intéressé par toi. Encore moins de payer ta dot. Alors la prochaine fois que tu diras une chose comme ça, la prochaine fois que tu vomiras une chose comme ça, hein, ce que je vais te faire... viens ici. Reviens ici, la chèvre. Donc, tu me demandes d'aller payer ta dot. Alors viens comme ça, on va faire le mariage coutumier ainsi que le mariage religieux dans ce cas. Vraiment idiote. Regardez-moi son corps. On dirait une coche au corps. Bien?
Écoute, où as-tu le culot? Viens ici, viens. Donc il t'a tapé. Juste parce que tu lui as rappelé ce qu'il devait faire. Oui. Je n'aurais pas dû le lui dire. Ok, peut-être qu'il ne veut plus t'épouser. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Je comprends maintenant qu'il était en colère. Comprendre? Comprendre quoi? Tu dois quitter cette maison. Pour aller où? Je n'ai nulle part où aller. Mes parents sont morts. Et l'oncle a dit que je ne pourrais jamais revenir chez lui. Et dis-moi, j'irai où? Je sais tout ça, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Anouzé n'est pas juste envers toi. Je le sais bien. Je vais le gérer. Tu vas gérer. Madame la gérante, continue de gérer. Il va continuer à te taper, à te faire souffrir et aller jusqu'à te tuer. Arrête! Arrête! Je suis désolée, pourtant c'est la vérité. Ça, c'est quel genre de fille? Elle n'écoute jamais. S'il te plaît, attends-moi, non? Ah, dis-moi. Hey, oui, gars, je suis rentrée. Comment va ta grand-mère? Elle va bien. Okay, comment vas-tu? Je veux bien. Oh. Tu pars voir Anosé. Anosé? Ah non. Y a-t-il un problème? Pas vraiment. Oh. C'est juste que je veux que tu parles à ton ami Anosé. Il faut que tu lui dises d'arrêter de traiter Amara comme une moquerie. Ah. S'il te plaît. Oh. Donc Anosé continue à maltraiter cette pauvre fille? Il est fait toujours, Ifedi. Pardon, parle-lui. Tu connais ma copine Amara. Elle ne va pas se plaindre à propos de lui. Même quand je sais qu'elle souffre en silence. S'il te plaît, parle-lui. Avant qu'il ne tue ses pauvres filles. Ok, je vais parler avec lui, ok? Ne t'inquiète pas. Merci. Je sais que je peux compter sur toi. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Permets-moi ça de va, partir. Ça va, ça va. Et prends soin de toi, hein? Toi aussi. Maman. Alors, Anosé n'a pas voulu appliquer mon conseil. Anosé. Je ne suis pas intéressé. Réponds à ta nourriture. Pourquoi? S'il te plaît, je suis désolée. N'ose pas me toucher. N'ose pas me toucher. Je suis désolée pour ce qui s'est passé le matin, s'il te plaît. Désolée. Cela ne va plus se répéter, je te le promets. J'ai promis de ne plus jamais parler de la dot. Oui. N'ose plus jamais, écoute-moi, écoute-moi. N'ose plus jamais dans ta misérable vie me dire ce que je dois faire. Non! On est en Afrique et je suis un homme. Laisse-moi faire les choses à ma manière. Tu n'as pas un tel droit. Te voilà, je dois aller payer ta dot. En tant que qui? Depuis quand est-ce que tu me donnes des ordres? N'ose plus jamais essayer, n'essaie même plus jamais de faire ça. Si tu oses refaire ça à nouveau, je ne mangerai plus ta nourriture à jamais. Calme-toi. Si tu oses refaire ça, je ne mangerai plus ta nourriture à jamais. Comment oses-tu? D'accord, j'ai promis de ne plus jamais en parler. Tu es en train de me dire quoi faire en tant que ma mère? N'ose plus jamais faire ça. N'ose plus jamais. S'il te plaît, mange ta nourriture. Emmène-moi vite de l'eau à boire. Arrête de dire n'importe quoi. Je
Anosier, le meilleur réparateur de vélos de toute la communauté. Mais comment vas-tu? Ah, mon frère, je vais bien. C'est comment? Les deux roues sont en panne. Mon ami, tu as condamné ça? J'ai roulé sur une pointe là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai compris, pas de problème mon gars. Reviens me voir ce soir. Ce soir. Viens avec mon argent au complet. D'accord. Oh. Tu sais que je n'aime pas des blagues. Aide-moi à réparer le frein avant. Hein, les freins ont lâché aussi? Ok. Oh, Genede. Amour mon gars. Regardez-moi ce gars. Il fait. Amour mon gars. Comment ça va, non? Mon cher, comment vas-tu? Je vais bien, je t'en prie, assieds-toi. Il fait. Hein, mon cher. Qu'as-tu ramené de chez ta grand-mère? Des fraises apporter quelque chose. Je suis allé là-bas pour un but. Maintenant, je suis de retour. Il fait dire, comment peux-tu aller chez ta grand-mère et revenir ici les mains vides? Je n'ai rien à rapporter, hein? Il faut seulement que j'apporte quelque chose. Mais honnêtement, mon gars, tu es un jeune homme, non? Tu devais ramener quelque chose de chez ta grand-mère. Je m'attendais à avoir du poisson fumé ou quelque chose dans ce genre-là. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Poisson fumé? Moi, tu ramènes les poissons fumés. Mon ami, je n'avais pas assez de force. Et puis d'ailleurs, les transports étaient tellement compliqués. Il fallait se battre par-ci ou par-là. Hein? Content de te voir, mon ami. Sois le bienvenu. Mon cher. Allons, Jay. J'ai entendu dire que tu maltraites toujours Amara. Je ne te comprends pas. Oui ou non? Hein? Qui est-ce qui t'a dit ça? Non. Ifeidi, non. En grand caractère, N-O-N, non. En voyant bien ton visage, c'est pas non, c'est oui. Ifeidi, quel est ton problème? Non, dis-moi, quel est ton problème? Personne n'a le droit, je répète, personne n'a le droit de questionner ma façon de traiter Amara. Exact. Laisse-moi te demander. Étais-tu là quand mon père m'a demandé de l'épouser contre ma volonté? Étais-tu là? Vas-y, réponds-moi. Étais-tu là? Ne m'énerve pas. Allons-y, je vais te poser une question. Pourquoi tu traites cette fille de cette façon? Pourquoi tu maltraites cette fille comme ça? Écoute, si tu n'as pas besoin d'elle, pourquoi pas la laisser partir? Libère-la alors. Ifeidi. Hein? J'ai mes plans. Oh oui. Très bientôt, tu verras mes plans. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais changer de sujet. Je hais quand tu me poses ce genre de questions stupides. C'est quoi ton souci dans ma manière de traiter Amara? Allons-y, hein? Écoute-moi. Toi et moi connaissions très bien que cette fille, c'est une bonne fille. Alors pourquoi tu la traites comme ça? Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bien. Elle est une bonne fille? Oui, bien sûr. Alors pourquoi ne l'épouses-tu pas, non? Non? Je ne ferai pas ça. Vas-y et épouse-la, puisque tu es la personne qui sait qui est bon et qui n'est pas bon. Vraiment. Vas-y et épouse-la. Je t'ai posé une question ici, Ifeidi. Baristibama, étais-tu là quand mon défunt père m'a demandé d'épouser cette fille contre mon propre consentement? Étais-tu là? Non. Alors ne t'assois pas là pour me raconter des gna. Change de sujet. Allons-y. Ifeidi, change de sujet. Allons-y. Ce n'est pas encore fini. Oui, écoute-moi. Okay. Amoli t'avait conseillé en tant qu'ami. Pourquoi tu te comportes comme ça? Ça veut dire quoi tout ça? Sommes-nous en train de se battre? Tu es en train de me conseiller en tant que qui exactement en ce moment? Tu es en train de me conseiller en tant que le conseiller spécial de ce monde ou bien? Écoute-moi, je ai donné des explications. Arrête de me questionner. Ma manière de traiter Amara, ce n'est pas votre affaire. Et tu sais. Ah, que tu sois mon ami, cela ne te donne pas le droit. Et tes limites, mon gars. Mon cher, c'est pas bon. Si on maltraitait ta sœur, que dureras-tu? Hein? Conseiller spécial du monde entier, peux-tu partir maintenant? Oh! Exact! Tu veux que je parte de ma maison! Ça, c'est un problème. Ce n'est pas une mince affaire. Annoncier! Va-t'en! Ok, pas de problème. Mon amour, bon après-midi. Mon amour, y a-t-il un problème? Qu'es-tu allé dire à Ifeidi? Rien du tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux. Je déteste me répéter. Seule la vérité te libérera. Qu'es-tu allé dire à Ifeidi?
Tu parles du fait, mais je ne l'ai pas encore vu. La dernière fois que je l'ai vu, il partait chez sa grand-mère. Il est déjà rentré? Oui, il est de retour. Et il a emmené quelque chose de très spécial pour toi. Attends, laisse-moi te l'apporter. Donc tu vas raconter n'importe quoi maintenant, hein, c'est ça, hein? Mon amour, s'il te plaît, ouvre la porte pour moi. Je jure que je n'ai rien dit à Ife. S'il te plaît. Je sais que tu peux bien m'entendre, s'il te plaît. Hey, Odaremo. Pourquoi pouvez-vous venir? Je m'adresse à vous deux. Venez ici. Vous deux, venez ici. Venez. Venez ici. Venez. Hein. Prends place. Mets-toi ici. Hein? Assieds-toi ici. Putain. Et je couvre de nez aussi. Et toi là, ici. Et viens t'asseoir ici. Des insensés. Prends ceci. Je vais te gifler. Prends ceci, idiot. Et toi, prends ça. Et prenez le briquet. Prenez le briquet. Allumez de vous-même. Et sale fiche de pétasse. Et viens prendre ceci, tu vas allumer seul. N'importe quoi. Je vais vous gifler, vous deux. Maintiens le feu, maintiens le feu. Tu n'as jamais utilisé un briquet. Maintiens les feux, maintiens-les très bien, hein. Allume-la. Allume-la très bien et tu vas fumer, hein. Et qu'est-ce qu'il dit? Fume, bon sang. Je bêtise, salut. Fume, fume, très bien, fume comme ça, ça va passer d'un peu. Fume, vas-y, n'importe quoi. Et toi. Prends. Et prends, tu vas allumer à ton tour. Allume-la. Allume comme ça, tu vas fumer comme l'autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Hein? Oh, je vais vous gifler, les amis. Essayez de gérer cela.
Mets-les, très bien. Allume. Hein? Mais vas-y, allume. Une fois allumé, faut fumer. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, va fume n'importe quoi. Allez, n'importe quoi. Fumer. Idiot, vas-y, fume. Et fume. Et ça ne te fera rien, d'accord? Oui, comme ça vous aurez un cœur dur. Un cœur très très dur. Allez-y, fumez. Fumez, comme ça va bien vous faire des choses. Vous êtes quel genre d'homme comme ça? Vous devez fumer comme ça. Et toi, qu'est-ce qu'il y a? Aussi sang? Et bon sang, vas-y, fume, idiot. Vas-y, fume, vas-y, fume. Et toi, idiot, vas-y, fume. Allez-y, fumez n'importe quoi. C'est moi qui vous protège, vous deux, là. Et vous deux, peut-être que vous êtes là. Quand vous aurez fini avec protège, venez, d'accord? Venez, je vous en jeterai d'autres. Vous êtes des idiots, bon sang. Pendant que moi, je suis en train de fumer et vous pouvez venir. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes obligés de fumer n'importe quoi. Mon roi, nous avons une situation vraiment très inquiétante, considérant tout ce que vous venez de me dire. Nous devons à tout prix avoir un plan. Pour le calmer urgemment. Ce jeune homme a l'air sans peur et dangereux. Je me demande ce qu'il fera. Si vous lui tournez le dos à sa demande. Il a menacé de brûler ses paliers tout entiers. Si sa demande n'est pas accomplie, est-ce donc vrai? Oui. Brûler le palais tout entier. Hey! Cette situation est bien, bien plus sérieuse que je ne le croyais. Comment est-ce possible? Parce que je lève ma main sur toi. Occupe-toi de tes affaires et reste loin de ça. Allons-y. Reste en dehors de ça. Écoute-moi, allons-y, je ne suis pas content. Mon devoir est de déconseiller. Ok, bien, ton devoir c'est de me conseiller. Mon devoir à moi c'est de décider si je prendrai ce conseil ou pas. Maintenant, écarte-toi. Hé, reviens là. Pourquoi étais-tu en train de dormir? Pourquoi dormais-tu à 7 heures de la journée? J'étais vraiment fatiguée. Et j'ai pris un repos. Tu étais très fatiguée. Vas-y, dis-moi, es-tu enceinte? Tu étais très fatigué en tant que qui, non? Est-ce que tu avais fini de cultiver les maniocs que je t'avais demandé de cultiver? Oui. J'avais cultivé 4 paniers. Tu as cultivé 4 paniers? Ok. Vas-y, regarde. Tu vois l'idiote que tu es en train de défendre? Parce qu'elle a pu cueillir 4 paniers de manioc. Elle s'est décidée de dormir juste annoncé, comme ça. Annoncer 4 paniers de manioc, ce n'est pas suffisant? Écoute, retourne dans ce champ. Assure-toi de cultiver chaque manioc que tu verras dans ce champ. Et tu n'as qu'une heure pour faire cela. Allez, dépêche-toi, ma patience a des limites. Désolé. Et où vas-tu comme ça? Désolé.
Je vais aller me changer, je suis mouillée. Hey, oh mon Dieu, tu veux changer tes habits alors que tu vas cultiver? Tu veux changer tes non, habits? Non, 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 non. Viens les changer. Hey, non, mon ami, arrête, arrête. Laisse-moi. Allons-y, arrête. Écoute. Allons-y, écoute-moi, écoute-moi. Écoute. Évite-moi. Je ne te permets pas. Non, non, évite-moi. Non, tu es mon ami. Évite-moi. Tu ne peux pas te laisser faire ça. Évite-moi. Non, 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 non. Tu ne peux pas faire viens. Ça. C'est bon, c'est bon. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu imagines. Tu veux la tuer? Dormir à 7h de la journée. En tant que qui? Non, 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 non. Reine Elisabeth, tu es en train de dormir à 7h de la journée. Ok. Aucun problème. Aucun problème. Allons-y. Tu en fais des aucun trop, là. Pourquoi tu traites cette fille comme ça? Pourquoi? Toi. Évite-moi. Tu es mon ami, ça je ne refuse pas, mais évite-moi. Allons-y. Non, je évite-moi. Ne peux pas. Je ne peux pas. Évite-moi. Je refuse. Ceci est un problème mon de famille. Est de évite-moi. Un oiseau. Ben. Jude. Elle est partie. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Une tortue dans l'eau. Et Onowu, je vais mettre ton conseil en application. Je vais l'appliquer, mais laissons voir comment il évolue. C'est la seule chose qui pourra calmer son esprit de rébellion. Alors, essayons. Mon roi, mes salutations à votre majesté, que votre reine soit là. Il y a une urgence. Que se passe-t-il? Qui est-ce qui te poursuit? Votre majesté, c'est Prince Ikena. Il a donné la drogue aux gardes et il parle comme des fous. Même les gardes qui sont à l'intérieur de la maison. Hey. Ane kunke meruzane me. Oh no. Ces garçons me causent toujours des problèmes. 10 jours au lendemain. Ane kunke meruzane me. Cherche d'autres servantes et occupez-vous d'eux immédiatement. Ok, votre majesté. Ça veut dire quoi tout ça, sérieusement? Oh non. Depuis que ce garçon est revenu de l'université, tout a changé ici au palais. Il me cause des problèmes l'un après l'autre. Mon roi, je suis en manque de mots. Une forte drogue. Ah ah! Hey! Notre prince. Droguant des gens. Hey! On aura tout vu. Tu as aimé ça? J'adore ça, j'adore ça. Alors tu as préparé ça pour moi? Oui, j'ai préparé ça pour l'homme qui fait battre mon cœur. Tu es ce que j'appelle envoyé des dieux. Avec une petite touche de femme à épouser. Merci. Je t'en prie. Rejouis-toi. Je l'ai fait spécialement pour toi parce que tu es un homme très spécial. Ça, c'est parfait. Anansi, attention. Hein? Anansi, tu manges déjà? Non, je suis en train de me battre. Parce que tu es aveugle, ne t'en fais pas. Je suis en train de me battre. Mais tu savais que je prépare la nourriture pour toi. Étais-je supposé attendre pour toujours? Étais-je supposé attendre pour toujours parce que tu cuisinais des pierres? Je t'en prie, comme tu peux le voir, je suis en train de manger quelque chose de meilleur. Alors retourne avec tes assiettes. Va-t'en, non? Tu as vraiment envie de polluer l'atmosphère? Va-t'en, je crois que c'est ce que tu es censé faire de mieux. Vraiment, tu es juste drôle, alors que je dois t'annoncer. Merci infiniment.
Je t'en prie, emmène-moi de l'eau. Que je prenne l'eau, d'accord, pas de problème. Attends. Tu sais... Anosier. Anosier. Amara, es-tu en train d'empêcher mes ordres? Hein? Dégage de cette porte. Tu me dis de dégager? Va-t'en de cet endroit. Monte-lui mon gobelet. Ah. Je suis l'homme ici. Mes mots sont la loi. Mes mots sont des ordres. Ça le reste. Qu'est-ce que tu veux venir me montrer ici? N'importe quoi. Tu n'es même pas d'ailleurs une femme à épouser. Amara. 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 Oh, pourquoi tu es si triste? Anosie est encore blessé. Ça doit toujours être Anosie. Qui peut encore le faire si ce n'est Anosie? C'est ignoré. Tu m'aurais quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait? Elle a apporté la nourriture pour Anosie, même si elle sait que je suis à la maison. C'est pourquoi tu es triste? Je ne comprends pas. Ce n'est pas si assez pour moi d'être triste. Je parle à prévenir de s'éloigner. Oh. N'ose même pas. Pourquoi? Comment tu peux partir chez elle pour la mettre en garde pour un homme qui ne m'aime pas ton mari? Pas ça. Et que quand veux-tu même que je fasse? Amara, ça, c'est pas une bonne idée. N'ose pas faire ça. Regarde cette salope. Amara, regarde cette Amara, salope. Laisse-moi gérer ça. Tchinere. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne savais pas que tu étais une provocatrice. Et d'où provient cette phrase? Es-tu malade? Pourquoi tu l'as porté la nourriture pendant que tu sais que je suis dans sa maison? Amara, est-ce que Amara, ça va? Amara, est-ce que tu vas bien? Ça. Tiens, tu m'as arrêté ici pour me poser cette question stupide et tu veux que je puisse répondre? T'es bête, toi. Et pourquoi pas? Tu le sais bien que Anosé va se marier à Amara. Laisse-le tranquille. Tu ne laisses Anosé tranquille. Je ne laisserai pas Anosé. Anosé n'est pas marié. Il est donc libre de sortir avec n'importe quelle fille de ce village, y compris moi. Quoi? Tu es malade? Tu es malade? Attends, laisse-moi vous dire. Amara. Même si Amara est avec lui, ça ne veut pas dire qu'il va l'épouser, c'est ça? Quoi? Pour votre information, je continuerai à préparer, à prendre soin de lui jusqu'à ce qu'il va se marier. Que vous le vouliez ou pas, je le ferai toujours. Tu es une vraie folle. Laisse-moi tranquille. Amara, oui. Amara, je le ferai. Amara, tu es malade, toi. Avec toi. Amara, laisse-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a perdu la tête. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu n'as rien dit? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu ne veux pas qu'elle a raison? Oh, vraiment? Ok. Pourquoi tu veux seulement te battre? Amara, Amara, ne fais rien de stupido. Amara, je t'interdis. Alors, je comprends tout ce que tu es en train de dire. Alors, écoute, je suis sur le point d'entrer en possession de mon héritage. Et quand je l'aurai, j'investirai tout mon héritage dans ce business. Et tu n'arrives même pas à comprendre. Je serai l'homme le plus riche de ce pays. Crois-moi. Et tu ne sais pas? C'est vrai ça? Calme-toi. Non, mon frère. Et qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Et de moi? Waouh, es-tu sérieux là? Et juste dans 2 mois, je deviendrai milliardaire. Je suis impatient. Je suis impatient. Aucun problème. Oh, pas de problème, mon frère. C'est bon. Très bien. Wow. J'en suis vraiment impatient. Et je vais tout faire pour sécuriser cette affaire. Itare-moi. Et papa. Je
démontrerai le feu jusqu'à ce que je me donnerai ce que je veux. Votre Majesté, je suis du même avis que les propriétaires de cette compagnie devraient d'abord discuter avec nous avant qu'ils ne donnent l'ordre de travailler dans ce site. Au nom où tu as raison, mais ne penses-tu pas que les arrêtés pourraient affecter nos enfants qui... Qui travaillent depuis des années? Plutôt, je suggère que nous les appelions sans pourtant les arrêter. Et après avoir discuté avec eux, nous saurons quelle décision prendre. Ikena, je t'en prie. Ne me fais pas ça, Ikena, s'il te plaît, je t'en prie. Je t'en prie, yo. Que se passe-t-il? Tu sais exactement ce qui ne va pas, papa. Je veux que ton testament entre en vigueur maintenant. Je veux que tous ces gens sortent de la maison. Je veux parler à mon père. Je veux que vous partiez tous partir d'ici. Sortez immédiatement. Tu n'as aucun droit de nous mettre hors de ce palais pendant que le roi est assis ici avec nous maintenant. Vraiment? Vraiment? Oui, exact. Ok, asseyez-vous. Je vais vous montrer ce que vous n'avez jamais vu depuis votre jeune âge. Asseyez-vous. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Quel genre d'embarras, ma reine? Ça déborde la limite et je ne vois plus l'accepter. Je ne l'accepterai plus. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Et vous pensez que je blague? Tu veux foutre vos têtes? Sortez d'ici! Et ça, c'est quelle bêtise? Et pensez-vous que je blague, moi? Arrête ça! Et pensez-vous que je blague avec toi? J'ai dit que je suis fatigué! J'en ai marre! Je veux ma part d'héritage! C'est ce que je veux! Et tu dois me le donner! Je veux créer mon propre empire! Et je veux en créer mon propre! Maintenant! Et tu penses que je blague avec toi? Ikena! Naï, calme-toi! Naï, calme-toi! Ikena, s'il te plaît! Tu penses que je blague avec toi? Je t'en prie! Regarde-moi ta mère! Ne t'approche pas! Ne t'approche pas! S'il te plaît! Fous-toi ta tête! Ne t'approche pas! Tu penses que je blague avec toi? Et c'est ce que tu penses? Regarde, je te dis une chose, je n'ai pas besoin, tu vois cette bêtise de la royauté, toute cette bêtise, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça, je veux juste que tu me donnes ma part d'héritage, je veux créer mon chemin, je veux m'en aller et je serai quitte avec toi. Je veux créer mon propre empire. Ok, calme-toi, je t'en prie, ce n'est pas avec une arme, s'il te plaît mon fils. Ikena, ne t'approche pas. Naï, s'il te plaît. C'est une arme. Je vais tirer sur ta tête comme ça, je viens de finir que je suis là. Dépose. Ne t'approche pas de moi, maman. Arrête. Pensez-vous que je blague? Calme-toi. Vous pensez que c'est une aventure? Calme-toi. Mon prince, s'il te plaît, je t'en prie. S'il te plaît, aie pitié de moi, je suis qu'un pauvre vieillard, je t'en prie. Mon prince, je n'ai pas envie de mourir maintenant, je t'en prie. Si par une quelconque manière je t'ai offensé, pardonne-moi. Je t'en prie. Peu importe ce que j'ai eu à faire, pardonne-moi, je t'en prie. Je t'en prie, mon prince. Ah, tu dois gagner un bouet. Non, mon prince. Non. Est-ce que je t'ai braqué une arme? Non, mon prince. Bah non. Et à quoi sort ta vie? Rien du tout. Rien du tout. Ok. Regarde. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis venu ici pour que nous ayons une conversation amicale. Oui. Tu sais, Maïti, tu es mon ami, n'est-ce pas? Alors, viens. Viens. Maïti, viens. Viens, Maïti, regarde, calme-toi. Tu vois, laisse-moi être honnête avec toi. Et tu sais, tu es mon mec. Donc, je suis là pour que nous ayons une conversation amicale. J'ai appris que tu es vraiment proche de mon père et qu'il t'écoute vraiment régulièrement. Et je veux que tu me dises de me rendre ma part de l'héritage.
Et regarde, tu vois cette bêtise de la royauté, tout ce qui va avec. Je ne suis pas intéressé et ça ne me regarde en rien. J'ai un très grand rêve et je dois le réaliser. Demande-lui d'être gloire avec moi. Je le ferai. Je le ferai. Et s'il est avec moi, je serai gloire avec toi aussi. Et je te donnerai un peu d'argent et tu vas. Et tu vas essayer d'en faire ce qui te semblera bon. Hein? Et s'il refuse de le faire, il est bouqué. Oh. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Est-ce que tu m'as entendu? Je lui dirai. Je vais tirer sur ta jambe. Pardon, je t'en prie, pardon. Mm-hmm. Oh, pardon. Alors, tiens bon, ok? Ça va aller. Fais ce que je te dis. Mm-hmm. Je reviendrai pour le règlement de compte. Mm-hmm. Je lui dirai cela. Très bien. Maintenant, fous le camp. Assure-toi de bien lui dire. Je vais ça, lui dire. D'accord? C'est vraiment compliqué. Oh. Ah, je ne comprends pas ce qui se passe dans ces palais. Oh. Depuis que le prince était revenu, tous les jours, il y a que du trouble. Ah. Mais il demande juste sa part d'héritage. Mais pourquoi être pressé? Pourquoi être pressé tant que tout sera à lui? Pourquoi être pressé? Tu me demandes ça? D'ailleurs, s'il te plaît, je ne veux plus jamais en parler. Tu veux te mettre dans le trouble? Ta bouche va te tuer un jour. Regarde-toi. Et Boubé, calme-toi, calme-toi. Mon père n'était pas d'Imer. Oui, il n'était pas d'Imer aujourd'hui quand tu nous as visités. Je t'ai dit vrai. Désolée. Oui, je vais faire de mon mieux. Je sais que tu l'aimes. Oui. Oui. Ok, je vais faire un effort que ça tienne entre vous. Je t'assure que ça va aller. Je ne peux pas accepter que cette atmosphère règne encore au palais. Sinon, les gens me traiteront d'un roi faible et incapable de diriger le royaume. Onou m'appelait pour me dire comment il lui a dit si je ne parviens convenablement pas à répondre à sa demande. L'unique option maintenant est celle d'appliquer le premier plan que m'avait donné Ono. Oui, c'est l'unique manière que tu puisses encore avoir ton héritage pendant que je suis encore en vie. Présente la femme que tu veux épouser, épouse-la et sois responsable. Alors, je te donnerai ton héritage. Oh non. Est-ce que tu penses que ceci réussira? Majesté. Je suis désolé, mais je dois partir. Son visage n'a pas l'air plaisant du tout. Amara! Amara! Depuis quand me sers-tu de la nourriture sans eau? J'étais allé à la rivière pour puiser de l'eau, mais de l'eau était sale.
Sais-tu au moins que tu deviens insensé et méconnaissable en même temps? Cela fait deux faits en même temps. Tu étais allé à la rivière et puis l'eau était salée, alors? Allez, va me donner de l'eau avant que je puisse défigurer ton visage. Il n'y a pas d'eau dans cette maison. Et tu es encore debout, là. Tu es vraiment une bonne à rien. Un animal. Il n'y a pas d'eau dans cette maison. Bien. Combien de fois? Tu commences à en faire des trop. Laisse-lui sa maison avant qu'il ne te tue. Amara. Amara. Je te parle, mais tu fais... Que veux-tu que je dise? Hein? Que veux-tu que je dise? Je t'interdis de te mêler de ce qui me concerne et Anosier. Il n'y a rien qu'un humain pourrait me dire qui fera en sorte que je me sépare avec Anosier. Et donc, laisse-moi tranquille. Hein? C'est comme ça? Je ne comprends pas, oh. Hein? Tu es sous les charmes ou quoi? Hey! Ok, laisse-moi être honnête avec toi. Je vais juste entrer en possession de mon héritage afin de continuer avec mes affaires. Et s'il te plaît, ne laisse pas que cette affaire me passe travers, hein? Je tiens vraiment à ça. Je dis que je veux le faire. Non, mais s'il te plaît, hein? Oh mon Dieu, bon sang. Accorde-moi juste un moment, hein? Je vais m'investir. S'il te plaît. Écoute, je ne veux pas que cette affaire me passe travers. Tu comprends? Ne fais pas ça, non, s'il te plaît. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Waouh. C'est merveilleux. Et je ne permettrai pas que cette affaire me passe travers. Je pense que je dois avoir une femme. Si j'ai une femme, alors j'aurai mon héritage. Et je vais investir. Oui, je vais essayer. Maman, je vais au village disséqué à la recherche d'une femme. Au village disséqué? Pourquoi aller au village disséqué? Il pense qu'il trouvera une bonne femme là-bas. Mais c'est que sûr, il y a beaucoup de jolies filles dans ce village. Pourquoi ne pas épouser ma meilleure amie? Elle l'aime vraiment et elle est prête de l'épouser. Je me suis décidé d'aller au village disséqué, maman. Mais mon fils, pourquoi aller chercher une femme que tu ne connais pas dans un autre village? Les dieux de nos terres ne me laisseront pas seul. Et je pars déjà demain de la grande matinée. Amara! 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 Où est-ce qu'elle est passée même? Amara! Bien, es-tu sourde? C'est une question simple. Es-tu sourde? Ah, je suis désolée, j'étais derrière la maison. Désolée pour ta misérable vie. C'est quoi ça? Je me dirige au champ. Avant que je ne revienne, assure-toi de remplir toutes les bouteilles de cette maison avec de l'eau et prépare ma nourriture. Tu rentreras un peu plus tôt? Non. Bien. J'ai dit...
Je me dirige au champ. Avant que je ne revienne, assure-toi de remplir toutes les bouteilles de cette maison avec de l'eau. Je le ferai. Et prépare ma nourriture. Est-ce bien compris? Je le ferai. N'importe quoi. Bonne allée. Que ferais-je alors si je ne trouvais aucune femme digne d'être mon épouse? Je choisirais juste une femme, je lui expliquerai toute la situation et il passera pour mon épouse. Et dès que j'aurai mon héritage, je la laisserai partir. Et c'est la meilleure des solutions. La meilleure. N'est-ce pas à Nausier, hein? Ah ah! Hé hé! Voici Kenna! Mon gars! Nausier! Que fais-tu dans ce village? Je suis venu te voir. Tu es venu me voir, ouais. Moi? Hey, j'espère que tout va bien. Ouais, tout va bien, mec. Ok, je devrais te montrer. Mais entre, vas-y, entre. Oh mon Dieu! Hey. Mon prince, je suis content de te voir. Je suis vraiment très heureux de te voir. Tout va bien, oh. Voilà que tu es venu me voir. J'espère seulement que tout va bien. Tout va bien, mec. Tu sais, il y a quelque chose que je voudrais discuter avec toi. Ok. Allons dans ma maison, bon, en tout cas. D'accord, c'est bon. Ike, mon ami, tu es donc habillé comme ça. Où sont tes habits royaux? Tu ne comprendras rien. Oh, je suis vraiment très heureux de te revoir, mon frère. Mais attends, où? Es-tu en train de dire que tu es ici, à la recherche d'une fille à épouser? Oui, juste pour te dire combien je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. N'as-tu pas de très belles jeunes filles à Mwago, là d'où tu viens? Voyons, oui, c'est pas que nous n'avons aucune fille, d'accord? Et tu sais, toutes les filles d'ici ne savent rien sur mon héritage. Et tu sais, les filles, actuellement, une fois qu'elles savent que tu as quelque chose, elles peuvent s'arroger les doigts de faire tout. Je ne veux commettre aucune erreur sur mon mariage. Ok. Elles ont été gentilles avec toi seulement à cause de l'héritage. Oui, et pas qu'elles étaient de nature à être gentilles. Exactement. Ah, ces filles ne sont pas des filles à épouser, mon prince. Exact. Elles ne sont pas. Dans ce cas, je sais quoi faire. Mm-hmm. On a tellement beaucoup de très belles femmes d'ailleurs, hein. Des bonnes filles, des très très bonnes filles dans notre communauté. Yeah. Elles ne sont pas seulement belles, elles sont respectueuses, dociles, talentueuses et humbles. Et tu connais de très très belles filles, hein, et celles qui ont un bon caractère. Et s'il te plaît, mec, je veux que tu me mettes en contact avec une d'entre elles. Mais il y a un problème. À cause du fait que nous avons beaucoup de belles filles ici, qui te plairont. Ok. Ça sera très difficile pour une fille sage de t'épouser rien qu'en un seul jour. Pour te dire combien c'est sérieux, je suis vraiment sérieux. N'a-t-il pas de belles filles là-bas à Mwago, d'où tu viens? Actuellement, si, il y en a. Et ce n'est pas que nous n'avons pas de belles filles, mais tu vois, elles toutes, elles savent que je vais avoir un héritage. Et tu vois, en même temps, les méchantes, les arrogantes sont en train de jouer la gentille. Et donc, tu vois, je ne veux commettre aucune erreur dans mon choix de mariage. Ok. Elles sont donc toutes gentilles avec toi à cause de ton héritage. Pas comme si elles étaient naturellement des gentilles. Oui, c'est exactement ça. Ce ne sont pas des femmes épousées, je te jure. Exact. Dans ce cas, je sais quoi faire. On a tellement de très belles femmes ici, d'ailleurs, hein. Des bonnes filles, des très très belles filles dans cette communauté. Yeah. Et elles ne sont pas seulement belles, elles sont respectueuses, polie, talentueuse et humble. Et tu connais toutes les belles filles et celles qui ont un bon caractère. Hein? Mais s'il te plaît, je veux que tu me mettes en contact avec l'une d'entre elles. Hein? Mais il y a un problème. Puisque nous avons de très très belles femmes ici,
qui pourront te convenir. Ok. Ça serait difficile pour une quelconque fille sage de t'épouser en un seul jour. Exact. Tu comprends ça, c'est parce que tu es vraiment pressé de te marier. Ok, laisse-moi te dire une chose. Je suis prêt à payer n'importe quelle somme d'argent à toute celle qui se présentera à moi. Et tu comprends, à toute celle qui se présentera, je lui donnerai de l'argent pour qu'elle se passe pour ma femme devant mon père. Et quand j'aurai l'héritage venant de mon père, elle pourra s'en aller et faire sa vie seule. Hey, hey. Donc tu veux engager une femme? C'est ça. Quand tu es prêt à payer une grosse somme d'argent, je suis capable que la fille puisse juste se présenter comme ta femme. Après, elle pourra partir. Oui. J'ai quelqu'un qui pourra faire ça. Donc, viens là, mon ami. Ne parle plus, je t'ai compris. J'ai quelqu'un qui pourra parfaitement être comme ta femme. Elle est très bien, elle est belle, elle est magnifique. Mais allons-y, mec. Tes parents vont l'adorer. Nous n'avons pas besoin de sortir, elle viendra nous voir ici. Non, allons-y, c'est très important, allons-y. Mon frère, quand je dis que je t'ai compris, je t'avais compris. Ne t'en fais pas, elle viendra nous voir ici. J'ai bien tous ces caractères. J'ai une très belle femme qui pourra se présenter là-bas en tant que ta propre femme. Waouh. Je suis intéressé par l'argent. Waouh. Je te dis, mon frère. J'ai une femme qui peut se présenter comme ta femme parfaitement. Donc tu vas me donner de l'argent. Je vais te donner de l'argent. Mon frère, ça vaut, t'as bien, la vie est belle. D'accord, ok. Mais j'ai pas besoin de prendre beaucoup d'alcool. Je ne vais pas paraître un peu ivre. Devant ta femme, on désire. Tu ne veux pas paraître ivre devant ta femme en devenir. Sois prudent dans ce cas, sinon on doit faire des très bonnes affaires. C'est exactement ça. J'ai celle qu'il te faut. Mais où est passée cette femme? Prince Ikenna, relax. Je t'ai dit que je t'avais compris. Et quand je t'ai dit ça, c'était bien le cas. La voilà qu'elle arrive. Ami, hey, Ami ma belle, allez voilà, tu as trop travaillé, dépose-moi ça. Allez, viens. Ami, viens. Nous avons un visiteur de haut niveau. Hey, comment vas-tu? Prince Ikenna, hey, désolé. Prince Ikenna, voici Amara, ma bien-aimée sœur, celle dont je t'ai parlé. Exact, voici le prince Ikenna, mon très vieil ami. De Omwago, notre village voisin. Toujours très naturelle et belle. Hein? Oui, elle est décente, comme toujours. Comment tu vas? Mais tu ne m'as jamais dit que tu avais une sœur. Oui, parce qu'elle est de la part réservée. Je n'aime pas trop l'afficher. Exact, okay. À cause de ces bad boss qu'il y a partout. Mais comment tu peux... Tu as dit, hein? Salut notre visiteur, non? Salut notre visiteur. Ne veux-tu pas le saluer? Salut. Est-ce que tu vas bien? Timide, je t'avais dit. Exact. Il ira parfaitement avec ce que tu veux. Viens. Ne sois pas pressé, écoute-moi. Il veut que tu fasses quelque chose de très spécial. Exact. Il veut juste que tu te présentes chez lui comme sa femme. Pour quelque temps. Il nous paiera et tu peux le faire. Sa femme? Exact. Ah, Nosé, de quoi est-ce que tu parles? Alors, écoute, tu comprendras, c'est un très bon deal. S'il te plaît, je veux te louer que tu prétendes être ma femme. Peu importe le prix, je paierai à la personne une énorme somme d'argent. Une très grosse somme d'argent. Pas grand chose, juste joue que comme tu étais ma femme. Tu sais, bon, homme et femme, faire des choses. Hein? Comme homme et femme, et juste après tout ça, je vais te donner... Beaucoup d'argent, beaucoup vraiment. Mais Anne aussi, je pense pas qu'on de était... mais. Arrête de penser, tu penses à quoi? Écoute-moi. Le truc, c'est que ne vois pas comme il habille comme ça, oh. C'est un prince. Va juste là-bas. Présente-toi comme sa femme pour quelques jours. Et puis tu vas rentrer. Écoute, il dit qu'il va nous donner une très grosse somme d'argent. C'est exact. N'entends-tu pas ces mots? Oui. Personne ne demande quelque chose de sérieux, non? Va te présenter là-bas et après quelques jours, tu vas rentrer. Tu sais, les filles, elles sont toujours capricieuses. Elle le fera. Ok. Ne t'en fais pas, elle le fera. Elle essaie juste de digérer ça avant. En tout cas, c'est une bonne fille, ou? Ah, elle est présentable, n'est-ce pas? Bien Ta sûr. Ta famille va l'aimer comme ça? Tu te l'avais dit, j'avais la personne parfaite. Elle a quand même des choses. Elle a absolument tout, elle a tous les paquets, c'est ma petite sœur. Mais doucement, parlons d'argent, hein. Donne-moi une avance, elle va le faire, ne me crois-tu pas? Comment oses-tu accepter ça? Comment me présenter pour la femme de quelqu'un que je ne connais même pas? C'est simple.
Exact. Agis juste comme sa femme en devenir. Sois loyale et obéissante. Simple. N'es-tu pas une bonne fille? Alors agis en tant qu'une bonne fille. Non, Anosie, non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je ne peux pas. Non, tu n'as pas le choix. Tu essaies de me forcer? Écoute, c'est pas comme si je te forçais. Mais pense au moins à ce que nous allons perdre. As-tu une idée de quelle somme il s'agit? Le sais-tu? Oh, et donc tu fais ça à cause de l'argent? Écoute-moi. Je ne suis pas en train de le faire seulement à cause de l'argent. Non. Ikenna est mon meilleur ami. Et je n'ai pas du tout envie de le décevoir. Alors je t'en prie. Il faut que tu le fasses. Une fois que tu l'auras fait, j'irai voir tes oncles et paierai enfin ta dot. Comme tu l'as toujours voulu. Alors je t'en prie, tu vas te présenter comme la femme d'Ikenna. Ama, comment oses-tu? Comment oses-tu accepter cela? Hein? Je n'avais pas d'autre choix. Anosie m'a demandé de le faire. Oh, tu n'as pas de choix. Donc, si Anosie te demande de brûler tes yeux, tu vas accepter, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas le choix. Ça ne peut pas être le cas. C'est le cas. C'est le cas, Amara. Ne vois-tu pas qu'Anosie est en train de te chasser? Je vais juste prétendre être la femme de quelqu'un, c'est tout. Et penses-tu pas qu'il y aura quelque chose qui va se passer? Tout le monde pense que tu es la sœur d'Anosie et non sa femme en devenir. Rien du tout arrivera. Oh, rien ne va se passer. Il faut savoir qu'Anosie ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il n'allait pas te demander d'aller faire cela. Il m'aime. Raison pour laquelle il va payer ma dot pour que tout ceci prenne fin. Oh, je vois. Je vois. Ça se voit que tu n'as pas encore ouvert tes yeux. Je veux te dire un truc. Tout ce que je peux te dire est que tu sois vraiment prudente. Je l'essaierai. Est-ce que tu comprends? Amara, fais attention. Amara, sois prudente. Hein? Anosie. Anosie. Amara. Amara. Dépêche-toi, le prince sera très bientôt ici. Tu es prête, c'est bien. J'espère que tu as pris tous tes habits. Pourquoi dois-je prendre tous mes habits? Je resterai là-bas pour toujours. Tu ne pars pas là-bas pour toujours, mais tu y vas au moins pour une mission. Les habits que j'ai seront assez pour moi. Sois bien, il n'y a pas de réseau sur ton visage. Ne gâche pas ces jobs sans prio. L'argent est impliqué, alors sois sérieuse. Souris, non? Change de caractère, je t'en prie. Après tout, tu n'es pas en train de l'épouser. Ce n'est qu'un accord et c'est tout. Va là-bas te présenter comme sa femme et reviens-moi. Je t'en prie, oh. Et n'oublie pas que quand tu vas revenir ici, je paierai ta dot avec cet argent-là. Alors cet argent joue en ta faveur. Non, change-moi de caractère, je t'en prie. Souris maintenant. Souris, non? Le prince arrive. Il est ici. Souris maintenant. Vas-y maintenant. Souris maintenant. J'ai dit maintenant. Ajoute encore. Hey. Hey. Le prince. Le prince de Umuago. Son Altesse. Hey, le prince. Le grand prince, le prince de Umuago. Comment tu Mon vas, ami mec? Royal, tu es le bienvenu, chère royauté. Bon après-midi. Très bien, tu es prête? Elle est prête, elle est très prête.
Alors, pourquoi t'envisager comme ça? J'espère que tout va bien. Non, 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 n'y dis pas ça. Non, tu sais, je lui manque déjà beaucoup. Oh, nous avons l'habitude de jouer toujours ensemble. Alors, je lui manque déjà beaucoup. T'en fais pas, je viendrai te voir. Hein? Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Hein? Et dans très peu de temps, nous aurons fini avec toute cette aventure. Tu reviendras très rapidement. Je t'en prie, assure-toi de bien prendre soin de ta sœur. Allez, viens, viens. viens, laisse-moi t'aider avec ta valise. Viens. Mais souris, souris. Le précieux prince de Umuago, mon ami royal. Le prince le plus frais de Umuago, mec, tu es le meilleur. Mon ami royal. Viens, entrer. À quoi servent les amis si on ne peut pas s'entraider? Mon cher prince. Merci. Le prince de Umuago. Oh, mec. Merci infiniment. Elle est très bonne. Je te l'ai trouvé, je te l'ai trouvé. Elle est merveilleuse, tu sais. Bon, ça c'est ta part, prends ça. Merci infiniment, non, ça, merci c'est infiniment. Avance, d'accord. Des bonnes choses. Oui, des bonnes choses. Hey, elle a un très bon caractère, t'en fais pas. J'ai lui donné des bonnes orientations, elle le fera. Je te crois, mec. Elle a un bon caractère. Vraiment, bon, à plus. Aie du caractère, aie du caractère, oh. N'oublie pas de sourire. Hey! Hey! Qui a dit qu'il n'y avait pas de business dans le village? Non, qui a dit qu'il n'y avait pas de business dans le village? Ce n'est pas vrai. Mauvaise blague. Et poupée, ça c'est tout? Les hommes sont vraiment embarrassants. Les hommes sont de fous. Lorsqu'ils te voient avec un autre homme, ils pensent que tu l'as gagné. Et Boubé, je te parle, pourquoi tu ne dis rien? Dire quoi? Alors, princesse, que veux-tu que je dise dans ta conversation? Ai-je l'air heureux? Crois-tu me rendre heureuse avec tout ce que tu dis? Même pas! Ton frère me prend la tête, il me prend vraiment la tête. Il n'y a rien qui prouve même qu'il m'aime, il n'y a rien qui prouve. Non! Alors pourquoi je dois être heureuse? Pourquoi je dois écouter ce que tu es en train de me dire? C'est pas de ma faute. Je fais des efforts pour parler à Ikena, mais il ne m'écoute pas, il ne te veut pas. Je fais de mon mieux pour lui parler. Tu dois aller de l'avant. Oui, essaye de l'oublier. J'apprécie ton amour et ton attention envers mon frère. Oui, j'aime ça tellement. Mais vous deux, vous n'êtes pas faites pour être ensemble. Princesse, s'il te plaît, je comprends. Je te comprends parfaitement. Je ne vais pas être embrouillée et aussi affectée avec ça. Je suis désolée ma copine, je suis tellement désolée. Non. Je fais tout ce que je pouvais. D'accord. Je suis désolée. Merci. Money. If not game, me I go play. If
vraiment nous devons faire le préparatif rapidement pour aller payer sa dot. Ce n'est plus important, père. Ce n'est plus important. Pourquoi? Et parce que j'ai déjà fait le nécessaire là-bas au village. Quoi? Mon fils, comment pouvais-tu faire ça? Tu devais le faire avec ton père et les anciens. Exactement. Je suis désolé, père. Je suis vraiment désolé. J'étais vraiment perdu, là. Et je lui avais suggéré ça, mais son frère avait refusé. Il dit, avant de la prendre, je dois payer la dot. Et voilà un peu la raison. Ah. Bien. Bien, mon fils. Tu avais bien fait. Nous allons retourner là-bas après pour terminer le reste de la dot. Plus tard, d'accord? Après, oui. Je peux voir que tu aimes beaucoup mon fils pour l'avoir accepté de t'épouser en peu de temps. Ah ouais, Ikena, c'est vraiment un homme gentil. Juste en ce peu de temps que nous nous sommes rencontrés. Mais... Wow. Alors, mon esprit l'a déjà accepté, donc je dois accepter sa proposition. Ta façon de parler me dit que tu aimes énormément mon fils. Eh bien, nous devons vous laisser maintenant pour que vous ayez le temps de vous échanger. Lolo, partons, ma reine. Devez vous amuser, hein? Chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. As-tu payé ma dot? Pourquoi tu as menti à tes parents? Oh, baisse un peu ta voix. Pourquoi tu cries, hein? C'est comme ça qu'on doit faire les choses. On ne peut pas être dans les trucs de wow, wow, wow. Non, non. Calme-toi. Et quoi donc? Et sois calme. Oh, mon frère, ma chère sœur. C'est notre future épouse. Oh, elle est tellement jolie. Oh, elle est naturelle. Ah, Anosier. Anosier, c'est pour cela que tu as chassé Amara. Non. Anosier, là, tu exagères. Anosier, tu es en train de faire une bêtise. Tu es en train de faire une grave bêtise, Anosier. Anosier, j'espère que tu ne regrettes pas cette action. Ah, non, 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 Anosier, non. Non. Amara! Ma princesse! Qu'est-ce que tu fais? Cet endroit était sale, non? Et je pensais à le balayer. Non, 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 tu peux pas! Ah, ah, mais pourquoi? Tu es une future princesse, tu peux pas balayer. Mais il n'y a aucune différence. Ah, Amara, ça peut pas se faire, non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, Dieu merci que tu es là. Dis à ta femme, Amara, qu'elle ne peut pas balayer. Au moment où nous avons plusieurs servantes ici au palais. Bien sûr. Viens.
Servante? Servante? Oui, ma princesse. Pourquoi cet endroit est tellement sale? Êtes-vous de folle? Pourquoi c'est tellement sale? Mettez de l'ordre ici avant que je ne me fâche. D'accord, n'importe quoi. Wow, maman, c'est trop belle et tellement jolie. Je suis impatiente. Ça serait tellement joli sur moi. Je suis désolée. Je ne l'ai pas acheté pour toi. C'est à qui? Pour ma belle-fille, Amara. Waouh, c'est tellement joli. Amara. Amara. Oui, maman. Viens. Maman. Prends ce pagne. Je l'ai acheté pour toi. Pour moi? Oui. Hey. Tout est à toi. Merci beaucoup. De rien. Ça serait tellement joli sur ton corps. Va le garder, hein? Hey! Ikena est chanceuse de la voir. Oui, maman. Elle est très bonne. Oui. Attentive et forte en ménage. Regarde-la. Aïe. Très délicieux. Wow. C'était une très merveilleuse soupe, maman. Ah, hey. Une chose très merveilleuse. C'est ton amoureuse de femme qui l'a préparée. Oh, c'était toi? Oui. Ah, j'y avais vraiment aimé. Wow. Donc tu peux préparer, tu sais très bien préparer. Wow, j'ai vraiment apprécié. Oh. Ah. Toutefois, tu n'as plus à t'inquiéter. Elle est maintenant ta femme. Elle va commencer à te faire toutes les sauces. Tu as trouvé une très bonne femme. Oui. Alors, amusez-vous bien. S'il vous plaît. Je vais dans ma chambre. Aucun problème, maman. Hey, mon fils bien-aimé. Maman. C'est quoi tout ceci? Je ne suis pas d'accord que tout le monde m'appelle ta femme. Je ne le suis pas. Oh, rabaisse ta voix, non? Hein? Et tu es colo. N'ose pas crier. Hein? J'ai donné à ton frère, je lui donne l'argent. Et je vous ai payé pour ça. Vous ne trouvez pas avec cette façon d'agir, on risque de nous attraper dans cette bêtise. Bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Essaye de t'apaiser, hein? Pourquoi tu es si grossier? Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être grossier, hein? Ah, ah. Je vous ai donné l'argent, je ne suis pas grossier. Et calme-toi, fais c'est pourquoi vous avez été payé, hein? Au lieu de me créer des ennuis comme ça, hein? Oh, ça c'est quel genre de bêtise, hein? Après avoir pris mon argent, vous voulez me tourner un jeu désagréable. Et s'il te plaît. S'il te plaît, quand est-ce que tu auras ton héritage? Parce que je ne peux plus rester ici, je dois partir. En regardant une maison comme celle-ci, tu dis que tu es fatigué. Est-ce que vous avez quelque chose de comme ça chez vous? Je suis fatigué. Et tu me dis que tu es fatigué. Et tu veux partir. Tu es fatigué. Gare à toi. Quelle bêtise. Probablement demain ou la semaine prochaine, j'entrerai en possession de mon héritage. Ok, je dois encore patienter. Oui, il faut attendre, non? Et depuis lors, tu es ici, sous mon climatiseur. Tu es bien traité. Je suis désolé si je t'ai dérangé. Désolé. Demoiselle, où est-ce que tu penses aller? Hé, hey, et en quoi ça te concerne? Où est-ce que tu pars avec la nourriture que tu as touchée? Où je pars avec cette nourriture n'est pas du tout ton problème. Je crois que tu dois perdre ta tête, parce que tu pars avec la nourriture ici chez Anosé. Comme tu le sais, pourquoi tu demandes alors?
Pourquoi tu fais tout ça? Tu sais bien que Amara, c'est la future femme d'Anosier. Alors pourquoi tu fais tout ça? Merci, la future femme d'Anosier et non sa femme. J'ai aussi tout le droit comme Amara parce que Anosier n'a pas encore payé sa dot. Alors je prends mon chemin. Merci. Allez, quitte là. Va te faire je sais pas, je pense que tu n'as pas à faire. Tu manques à faire. Eh! Et s'il te plaît, frère. Et s'il te plaît, Gray, s'il te plaît. Et si, s'il te plaît, Gray, ne les fais pas, hein. J'ai trouvé une fiancée, comme mes parents me l'ont demandé, non? Oui, j'en ai, frère. Et je pense que mon héritage me sera déjà donné dans très peu de temps. Donc, il y a de l'argent ainsi que tous les documents et des propriétés. Et j'ai déjà mis toutes les batteries en marche pour entrer en possession de tout ça. Oui, ils attendent. Ils viendront prendre toutes ces choses. Oui, ils viendront les prendre. Absolument tout. Regarde, je veux tout investir. Absolument tout, immédiatement, absolument tout. Hein, s'il te plaît. Et comme je t'ai dit, mec, je vais absolument tout investir. Tout investir. Je t'ai dit tout. Oui. Hein, ok. Merci, mec. S'il te plaît, mec. Alors. Et tu sais que je suis vraiment intéressé à ça, oh. J'ai dit absolument tout. J'ai juste besoin d'argent en espèce et je vais investir dans cette affaire. Attends un peu, tu verras. Gray, écoute, je suis presque à la fin. J'ai tous les documents ici et les bailleurs sont en train de m'attendre. Une fois qu'on me remet cet argent, je viens tout droit chez toi, immédiatement, pote. Tu as compris, je te rappelle. S'il te plaît, mon cher, laisse-moi te rappeler. Merci, c'est bien. Ikina, sais-tu que tu fais la plus grosse erreur de ta vie? Quoi? La même erreur que mon père avait commis de prendre tout l'héritage. Et cela l'a coûté tout ça. Non, je ne comprends rien. De quoi parles-tu? Tu vas gaspiller toute chose que ton père a travaillé dur avec tes faux amis? Qu'est-ce que tu veux dire? Gray et Colin sont de mauvaises personnes. Ils te demandent tant d'argent que tu dois investir. Il faut que tu arrêtes avec cela, sinon tu finiras par regretter. Hein? Je ne comprends rien. De quoi parles-tu? D'où viennent toutes ces choses, hein? Je vais te relater. Je t'ai entendu parler avec Gray au téléphone. C'est par là que j'ai directement compris. Mon père a été victime de leur escroquerie. Et j'étais vraiment étonnée quand je t'ai vu parler avec lui. Et je lui avais dit de remettre cet argent. Ces gens sont des criminels, c'est ce qu'ils font comme travail. J'avais cherché mes amis pour enquêter et trouver un moyen pour les arrêter, mais on n'avait pas pu. Ils sont des escrocs. Mmh.
Mais oui. Je te dis, mon cher, c'est vrai. Gray, c'est un criminel. Hein? Je te dis que Gray, c'est un criminel. C'est un fausseur. Gray et son équipe, ils sont tous des fausseurs. Et non, mais écoute-moi, si ce n'était pas Amara qui a tout découvert, je serais vraiment foutu. Hein? J'allais donner à Obina. Et sur Obina, de l'autre côté. Non, mais c'est de Obina que nous avons cette information. Avec Obina, j'ai pu savoir, à découvrir, c'est quoi vraiment leur vrai plan. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Hein? Ils ont voulu m'escroquer. Je leur ai fait exploser la tête. Mec, je te jure, j'allais tuer sur sa jambe et rien n'allait m'arriver. Je te jure, ça je te le jure. Il veut s'amuser avec moi? Mais oui, mec. Ok, il n'y a pas de problème. Je te reviens plus tard, mec. Il n'y a pas de problème. Très bien, mec. Prends soin de toi, mon gars. Mec. Cette Amara est une envoyée de Dieu. Et qu'est-ce que je serais devenu sans Amara? Tu n'as pas appris à frapper la porte avant d'entrer? Désolé pour cette manie. Désolé, vraiment, tu parais très belle aujourd'hui. Merci. Oh, wow. C'est ta maman qui me l'a acheté. C'est vrai, ça? Oui. Vraiment. Elle est... Ta maman est trop gentille avec moi depuis que je suis venue. Et même ton père était gentil. Bien, tu le mérites. Ou tu n'apprécies pas ça? Oui, j'apprécie, mais... Je n'ai jamais reçu ce genre de gentillesse dans ma vie. Je suis heureuse. Oui, je suis heureuse, mais... Je suis inquiète. Comment ta mère va la prendre quand elle va... Oh, bon sang, oublie ça. Elle ne découvrit absolument rien. Et crois-moi, jamais. Mais elle doit savoir la vérité. Ton père, ta mère, ta sœur vont me haïr tous les restants de ma vie. Non, je ne la permettrai même pas de savoir cette réalité. D'accord? Personne ne va apprendre cela, d'accord? Ok. Quoi? Absolument rien, c'est juste que tu es très 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 belle, hein? Et tu brilles, regarde-moi ton nez. regarde-moi ton sourire. Ikena, bye. Regarde-moi combien ta poitrine est bien bombée. Ikena, bye. Et tu sais, Ikena, tu es simplement magnifique. Merci. Puis-je te parler, s'il te plaît? Bien sûr, vas-y. Il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ma maman t'a dérangé? Non, rien du tout. Non. Alors, c'est quoi le problème? Je vais rentrer chez moi. Et tu veux rentrer? Mais non, tu ne peux pas. Et pas maintenant. Mais ton père t'a déjà donné ton héritage. Ma mission est terminée. Oh, ce n'est pas assez. Hein? Peux-tu juste dire à tes parents toute la vérité? Bien sûr, mais pas maintenant. Je dois d'abord beaucoup réfléchir avant de prendre une quelconque décision.
Et il n'est pas encore temps pour ça. C'est juste que mon frère me manque. Regarde, je sais très bien que ton frère te manque. Accorde-moi juste un peu de temps, s'il te plaît. Je suis désolé. Ah, c'est ce qu'il avait souhaité. Il m'a vendu ça, mon avis. Et il ne se dérange même pas. Il ne vient pas me voir comme il m'avait promis. À nausée. Hey, Chi. Anosier, tu es de retour. Chi, qu'est-ce qui se passe ici, non? J'étais venue te voir et je ne t'ai pas trouvé, alors je me suis dit que je nettoie tes habits. Tu as décidé de laver mes habits pour moi à mon absence. Oui, je suis allée aussi au marché pour acheter ta nourriture favorite pour préparer pour toi. Hey, tu n'aurais pas dû faire tout ça. Hey, Obim, est-ce que je me plains? Je fais tout pour toi, oh. Hey, elle est vraiment une femme à épouser. Peu importe, merci infiniment, j'apprécie. Oui. Hein? Merci. Hein? Ok, tu sais quoi, entre à la maison et va te reposer. Okay? Tu es même en train de cuisiner. Je prépare. Hey. Ne te dérange pas, je finis bientôt. Hein? Je vais finir bientôt. Ozibo Wankem. Ok. Je t'attends à l'intérieur. Ok, mon cher. À mon zier. Ikena, la façon dont tu traites les gens dans ces palais est très méchant. Tu es l'héritier de ces trônes. Alors arrête. Arrête de traiter les gens comme des chiens. Ikena, s'il te plaît. Commence à te comporter comme un prince que tu es. S'il te plaît. Tu es vraiment cet ange qui a été envoyé pour ma vie. Et je commence à t'aimer encore plus. Désolée, tu ne peux pas m'aimer. Et pourquoi? Et je suis plutôt sûr que ton frère serait plutôt excité d'apprendre ceci. Non, il ne le fera pas. Je souhaiterais être la future femme de Anne. Amara. Hein? C'est quoi? Pourquoi aurais-je honte de moi? Tu as laissé la maison de ta maman pour aller préparer faire la lessive chez un homme. C'est pas ce qu'elle m'a faisé. C'est tellement différent, bien en sûr. En quoi c'est différent? Tu ne pardonnes, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. C'est toujours tu n'auras fait ceci, tu n'auras fait cela. Reste loin de lui. Reste loin de ce monsieur. Sinon, tu vas regretter. Tu vas vraiment regretter. Qu'est-ce que tu dis? Non, reviens ici. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Elle est en train de me parler. Si ton œil, tu ne reviens ici, je vais te voir. N'importe quoi. Si je t'attrape, hein. Si seulement tu n'auras fait ceci, tu n'auras fait cela, c'est quoi ça? Je pense que tout ne va pas bien. Je compte aller le voir. S'il te plaît.
S'il te plaît. Ok, d'accord, tu peux partir et je parlerai à mon père. Je crois que je vais bien gérer la suite. Merci beaucoup, Ikema. Merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que tu n'es pas assez contente avec le changement d'Ikena? Hein? Trouver une fiancée, c'était une meilleure décision pour le calmer. Je suis aussi flattée par son comportement. Mm-hmm. Autrefois, je l'avais entendu parler avec le jeune à propos de son projet. J'étais vraiment fière de lui. Ah! Et je suis aussi fier de vous deux. Je vois que vous êtes en train de passer. Je le constate aussi, tu as eu le temps de changer avec ta femme. Oui, tu peux le dire encore. Alors, où est ta belle femme? Ok, elle est allée voir son frère. Elle va bientôt revenir. Ah, pourquoi est-ce que son frère n'est pas venu la visiter ici? Ça, je ne sais pas. Je me rappelle. Demain, tu m'accompagneras au clan Anoka. Et d'accord. Celui-ci, c'est vraiment mon fils. Chimwe. Toi. Anosie. Bien. Où est-ce que tu veux partir? Laisse-la partir, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde-moi ici. Relax. Ah.
Amara, d'où viens-tu? Amara, qu'est-ce qui s'est passé? Amara, Amara, Amara. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Non, il faut que je découvre cela. Amara! 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 Attends-moi! Amara! Ceci ne fait pas partie du plan. Cela n'est pas ton plan. Mais sinon, ça devient mon plan. Mais écoute d'abord, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je peux parler, comment. Et Anne aussi, je ne te comprends pas. Elle t'a déjà quitté. Elle m'a laissé la place. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Laisse-la partir, moi je reste avec toi. Tu ne comprendras rien. Je n'ai pas cessé de la traiter méchamment. Pour la faire partir, mais elle ne veut pas partir. Ah non, si même pas. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu dois beaucoup réfléchir. Réfléchis bien. Tu es un homme. Tu peux toutefois aussi m'épouser, je suis là. C'est incroyable. Je ne savais pas que tu m'allais me faire ça. Qui m'ont été ma meilleure amie. J'ai fait n'importe quoi pour Anosier. J'ai arrêté même d'étudier tout ça à cause d'Anosier. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que j'ai récolté? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux bien le comprendre. Pourquoi il m'a fait tout ceci? Je ne suis pas une bonne personne pour lui. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ah, ça va aller. Calme-toi. Je t'avais dit, mais tu ne m'avais pas écouté. Regarde maintenant ta condition. Regarde Mina, et là tu pleures. Amara, je t'avais dit. Ah, Anosier, 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 pourquoi? Anosier, c'est pas grave. Ok, et calme-toi, arrête de pleurer. Ok? Ça va aller. Ça va aller. Mon amour, fais-moi confiance, tout marchera exactement comme dans mes plans. Merci. Je t'aime encore plus. Je ne peux attendre. Je suis impatiente. Je suis vraiment impatiente. Je te verrai après alors. Viens là, toi. Au revoir. Allez, prends soin de toi, hein. Ok, d'accord, toi aussi. Au revoir. Bon, oh, ma petite femme. Tchaï. Thank you.
Comment est-ce que ces sentiments ne fait qu'aller grandissant? Et je ne fais que penser à Amara. Ma vie sera incomplète sans elle. Et je l'aime. Je la hais avec tellement de passion. Je n'ai jamais voulu d'elle dans ma vie. Si seulement mon père ne m'avait pas forcé à l'épouser. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, absolument tout a changé. J'ai changé d'un homme d'affaires qui était connu à vendre des bicyclettes, ainsi que des pièces de rechange, en un simple réparateur de vélo. Elle doit disparaître de ma vie. Je ne devais pas partir. Jamais. Je ne peux pas quitter l'homme que j'aime. À cause de cette fille. Je suis déjà très loin. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas. Ifedi. Anosé, comment ça va, non? Anosé, je suis pas content. Comment oses-tu? Pourquoi tu as choisi Timo tout en sachant que c'est la meilleure amie d'Amara? Es-tu mon ami ou bien mon père? C'est quoi, comment as-tu pu? Non, frappe-moi, non? C'est quoi ton problème? J'ai le plein droit de choisir avec qui je veux être. Dans ce village et même ailleurs. Exact, c'est mon choix et pas le tien. Laisse-moi dire ce que tu ne connais pas. Arrête de mettre ta bouche dans des affaires qui ne te concernent en rien, mon cher. Sinon, ça te conduira à ta tombe prématurée. C'est quoi ton problème? Annoncé, écoute-moi. Arrête tout ce que tu es avec cette fille. Parce que ça ne va pas marcher. Oui. Okay. Ça ne va pas marcher. Et je te conseille en tant qu'ami. Si ça t'enchante, tu peux appliquer mes conseils ou pas. Ça, c'est la partie que j'adore dans ton discours. J'accepte tes conseils si je le souhaite. Et si je veux, je les rejette. Mon cher, tu vois tous tes conseils. Idiot. Conseiller spécial. Anosé. N'importe quoi. Commence par tes conseillers d'abord. Au lieu de te mêler les affaires des gens. Anosé. Laisse-moi tranquille. Tu ne sais même pas te mêler tes affaires. Anosé. Anosé, quel genre d'homme es-tu? J'étais à la maison quand je t'ai entendu venir, espérant que tout va bien. Ok, je vais te donner cet argent, tu vas garder pour lui. Ça va? L'argent, c'est ça. Ça, c'est 45 000 naira. L'argent qu'il avait contribué pour les histoires d'Akara. Alors, il faut le lui donner quand il va revenir. Il faut que je pars vers d'autres clients. D'accord. Il faut que tu signes ici, s'il te plaît. Ok, mes salutations. Bye. Bye. Sérieusement, j'ai peur. Depuis qu'elle est partie, personne n'a reçu une nouvelle d'elle. Je suis aussi inquiet.
je n'ai pas non plus besoin de penser qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Où elle est allée? Jusqu'à la fin de la journée, on n'arrive toujours pas à voir ses nouvelles. Tu devras donc aller au village d'ici qu'est demain pour découvrir ce qui ne va pas. Cette fille est spéciale et son genre est rare. C'est d'accord, maman. Je ferai comme vous me l'avez instruit. Yvette, tu dois régler une situation maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Anosé, il est en train de frapper sa Amara dans la maison. Anosé frappe Amara encore? Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop, mais c'est comme si elle avait égaré l'argent qu'il lui avait remis. Et Yvette dit, allons-y, Anosé va la tuer. Allons-y, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Annoncé, calme-toi. Calme-toi, Annoncé. Qu'est-ce qui ne va pas? Hey! Hey! Hey, c'est ça.
Amara. Amara. Anosie. Anosie. Amara. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici, hein? Bébé, tu es la meilleure. Merci infiniment pour ceci. Ce n'est pas un problème. Je t'aime infiniment. Je t'aime aussi. Hey. Alors qu'Amara n'est plus ensemble avec nous, tu peux maintenant réaliser les projets de ton business. Hey, vraiment, yeah. Tu dois commencer avec les business sérieusement. Hey. Tu ne peux attendre. Merci infiniment. Hein? Dieu va te récompenser. Tu sais ce qu'on dit. L'amour est rempli de sacrifices. Ce n'est rien. Exact. Je te le promets. Tu vois cette chose, Amara. Donne-moi juste une semaine. Elle va s'enfuir de cette maison. Au fait, elle va s'enfuir de ma vie. Et tu vas y entrer. C'est toi et moi pour la vie. Je ne peux attendre. On est ensemble. Chai, je t'aime beaucoup. Mon amoureuse de femme, merci infiniment. Hein? Ça ne dérange pas. Il faut que j'aille. Je dois acheter des papiers pour vélo. Merci. Ok, je te verrai d'accord, après. Chérie. Au revoir. Bye. Moi, ma chérie. C'est compliqué. C'est vraiment difficile. Hey! Pourquoi il peut agir de la sorte? Cette fille doit être sorcière. C'est bon. Kimwe. Donc tu es en train de me fuir. Tu m'as fui parce que tu m'as vu, n'est-ce pas? Hé, hey, ne t'inquiète pas. Bientôt tu seras arrêté, je te promets. Regarde-moi ça. Pas la paix pour les méchants. Et donc tu veux dire que c'est Anosie? Et qui t'a fait tout ça? Et peu importe l'amour de l'argent. Et pourquoi est-ce que ton frère te traiterait comme ça? Pourquoi? Anosie n'est pas mon frère. De quoi? Non, de quoi parles-tu? Anosie est mon futur mari. Je voulais bien te le dire, mais il ne m'a jamais permis. Mon amour, bon après-midi. Mon amour, y a-t-il un problème? Qu'es-tu allé dire à Ifeidi? Rien du tout. Je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux. Je déteste me répéter. Seule la vérité te libérera. Qu'es-tu allé dire à Ifeidi? Je ne lui ai pas vu. La dernière fois que je lui ai vu, il m'avait dit qu'il rendait visite à sa mère. Il est déjà rentré? Oui, il est de retour. Et il a emmené quelque chose de très spécial pour toi. Attends, laisse-moi te l'apporter. Donc, tu vas raconter n'importe quoi maintenant, hein, c'est ça, hein?
ouvre la porte pour moi, je jure que je n'ai rien dit à Ife. S'il te plaît. Je sais que tu peux bien m'entendre, s'il te plaît. Tu es une folle. Tu es vraiment une folle. Tu es une folle. Tu n'es qu'une sale idiote. Donne-moi mon chapeau. Tu es une folle. Idiote. Tu es une folle. Tu es en train de dormir à 7 heures de la journée. Tu es en train de dormir à 7 heures de la journée, hein? Je vais te faire regretter ça. Genre, tu es vraiment sérieuse. Tu es en train de dormir à 7 heures de la journée. Tu veux vraiment dormir n'importe quoi. Tu es une folle. Reviens ici. Viens là. Tu es en train de dormir à 7 heures de la journée. Tu es en train de dormir. Tu dormais. Attends, C'est bon. C'est fini. Ne me laisse pas comme ça. C'est quoi ça? Mais c'est quoi tout ça? Toi. Désolé. Non. Arrête ça. C'est trop. Reviens ici. Tu es vraiment beaucoup trop pour elle, hein? Bien, mon gars. Anosa, si tu vois que tu ne veux plus d'elle, s'il te plaît, dis-lui de partir. Tu es mon ami, ne cherche pas à ce que je lève ma main sur toi. Occupe-toi de tes affaires et reste loin de ça. Reste en dehors de ça. Écoute, Anosa, je suis ton ami et mon devoir est de te conseiller. Ok, bien, ton devoir c'est de me conseiller. Mon devoir à moi c'est de décider si je prendrai ce conseil ou pas. Maintenant, écarte-toi. Hé! Reviens là. Pourquoi étais-tu en train de dormir? Pourquoi dormais-tu à 7 heures de la journée? J'étais vraiment fatiguée. Et je m'étais dit de me répondre. Tu étais très fatiguée. Oui. Vas-y, dis-moi, es-tu enceinte? Tu étais très fatiguée en tant que qui, non? Est-ce que tu avais fini de cultiver les maniocs que je t'avais demandé de cultiver? Oui. Et je voulais me reposer. Tu as cultivé 4 paniers. Ok. Vas-y, regarde. Tu vois l'idiote que tu es en train de défendre? Parce qu'elle a pu cueillir 4 paniers de manioc. Elle s'est décidée de Mais dormir nos, juste à comme nos ça. 4 paniers de manioc. Dis-moi, n'est-ce pas assez tout ça? Écoute, retourne dans ce champ. Assure-toi de cultiver chaque manioc que tu verras dans ce champ. Et tu n'as qu'une heure pour faire cela. Allez, dépêche-toi, ma patience a des limites. Et où vas-tu comme ça? Je vais aller me changer. Oh mon Dieu, tu veux changer tes habits alors que tu vas cultiver? Tu veux changer tes non, habits? Non. Viens non, les non, changer non. Hey, mon ami, arrête ça. Arrête ça, s'il te plaît. Écoute. Anosie, écoute-moi. Ce n'est pas bon de faire ça. Évite-moi. Non, s'il te plaît. Je ne vais pas te laisser. Évite-moi. Tu es mon ami. Évite-moi. Je ne te permettrai pas de faire de bêtises. Évite-moi. Non, s'il te plaît, Anosie. Viens. C'est bon. Ça suffit, s'il te plaît. Ça suffit. Laisse-la. Non, mais tu imagines. Non, tu veux la tuer. Dormir à 7 heures de la journée. En tant que qui? Non. Reine Elisabeth, tu es en train de dormir à 7 heures de la journée. Ok. Aucun problème. Anosie, sérieusement. Tu en fais de trop. Pourquoi tu traites cette fille de cette manière? Pourquoi? Toi, évite-moi. Tu es mon ami, ça je ne refuse pas, mais évite-moi. Tu es mon ami, je ne peux pas t'éviter. Évite-moi. Non, je ne peux évite-moi. Pas évite-moi. Tu es mon ami. Ceci est un problème de mon famille. Devoir, évite-moi. Est-ce que tu aimes? J'adore ça. Alors tu as préparé ça pour moi? Oui, je l'ai préparé pour l'homme que j'aime tant. Tu es ce que j'appelle envoyé des dieux. Avec une petite touche de femme à épouser. Merci. Vas-y, mange. Hein. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Parce que tu es un homme spécial. Ça, c'est parfait. Vas-y, mon chéri. Hein? Anosie, tu manges déjà? Non, je suis en train de me battre. Parce que tu es aveugle. Ne t'en fais pas. Je suis en train de me battre. Mais j'étais en train de préparer la nourriture pour toi. Et t'es supposé attendre pour toujours? Étais-je supposé attendre pour toujours parce que tu cuisinais des pierres? Je t'en prie, comme tu peux le voir, je suis en train de manger quelque chose de meilleur. Alors retourne avec tes assiettes. Va-t'en, non? Tu as vraiment envie de polluer l'atmosphère?
Va-t'en, je crois que c'est ce que tu es censé faire de mieux. Ne la suis pas, vas-y, mange. Hein. Vas-y, merci bon infiniment. Je t'en prie, emmène-moi de l'eau. Ok, ah, pas de problème. Tu sais... Gosième. Anosième. Amara, es-tu en train d'empêcher mes ordres? Hein? Dégage de cette porte. Tu as dit que je dois quitter ici. Va-t'en de cet endroit. Montons-lui mon gobelet. Ah. Je suis l'homme ici. Mes mots sont la loi. Mes mots sont des ordres. Ça le reste. Qu'est-ce que tu veux venir me montrer ici? N'importe quoi. Tu n'es même pas d'ailleurs une femme à épouser. Amara, 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 pourquoi tu es en colère? Anosie t'a-t-il causé du tort? Ça doit toujours être Anosie. Qui d'autre si pas Anosie? C'est ignoré. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle t'a fait réellement? Elle apporte la nourriture à Anosie à la maison, même si elle sait que je suis bien et bien là. C'est pourquoi tu es inquiète? Je ne comprends pas. Ce n'est pas si assez pour moi d'être triste. Je parle à prévenir de s'éloigner ou... N'ose pas le faire. Pourquoi? Comment tu veux partir chez elle à la maison? Elle interdit d'être loin de l'homme qui ne t'a même pas épousé. Même et pas? Et que veux-tu que je fasse? Amara, ce n'est pas une bonne idée. Ne fais pas ça. Regarde cette salope. C'est toi regarde la salope cette au salope. Contraire. Junior, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais su que tu te comportes de la sorte. Et d'où vient cette phrase? Es-tu malade? Pourquoi tu l'as porté la nourriture pendant que tu sais que je suis dans sa maison? Amara, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Chine, donc tu m'as arrêté ici pour me poser cette question stupide et tu veux que je puisse te répondre? Et pourquoi pas? Tu connais très bien qu'Anosé, c'est son proposant. Pourquoi t'intéresser de lui? Regarde, laisse-le tranquille. Hein? Je ne laisserai pas Anosé. Anosé n'est pas marié. Il est seul et libre d'épouser n'importe quelle fille de ce village, y compris moi. Quoi? Tu es malade? Tu es malade? Arrête, calme-toi d'abord. Même si Amara est avec, ça ne veut pas dire qu'il va l'épouser. Quoi? Et pour ton information, je continuerai à préparer, à aimer, à prendre soin de Adosier jusqu'à ce qu'il se marie. Mets ça dans ta tête aujourd'hui. Tu es une vraie folle. Laisse-moi tranquille. Oui. Amara, tu es malade, toi. Arrête. Laisse-moi. Amara. Elle a perdu la tête. C'est quoi avec toi? Pourquoi tu n'as rien dit? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu sais bien que sa tête ne fonctionne pas oh, bien. Oh vraiment? Ok. Pourquoi tu fais quelque chose de stupide? Pourquoi? Amara, arrête ça. Arrête ce que tu veux faire, arrête. Et comment est-ce qu'un homme peut-il échanger sa future épouse contre l'argent? Non mais en fait, ça c'est de la folie. Et pourquoi? Il ne te mérite pas. Pas du tout. Regarde, tu mérites un homme comme moi. Même depuis que tu es parti de chez moi, je t'ai cherché vraiment. Je suis tombé amoureux. Alors regarde. Viens à moi, je prendrai soin de toi. Je te rendrai heureuse. Regarde, tu ne regretteras pas, même pas pendant une seconde de ta vie. Ça m'est égal de payer ta dot pour que nous fondions un foyer. S'il te plaît, en fait, regarde, tu es passé par beaucoup de choses et tu ne mérites pas tout ceci. Tu ne mérites pas tout ceci. Qu'est-ce que c'est? Je te chérirai comme un bébé. Alors regarde, je te remettrai une énorme somme d'argent. Et pour ce que tu as pu faire pour moi dans ma vie, je le ferai après appréciation. Et s'il te plaît, crois-moi. Mais je veux que tu viennes vers moi. Et je t'en supplie. Hein? Et s'il te plaît, viens avec moi. Hein? Ikena, tu es vraiment un homme gentil. Tu es un homme... Que toutes les femmes peuvent mourir pour t'avoir. Mais la vérité est que je ne t'aime pas.
Et tu ne l'aimes pas? Ikena, je ne t'aime pas. Et cet homme, il te frappe à tout moment. Ikena, Anosy. Il te maltraite. Anosy peut être quelqu'un de méchant, mais je l'aime. Il te frappe, il te manque de respect, il flirte avec tes amis. Excuse-moi, hein? Ikena. Et tu l'as dit devant moi, hein, que tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'homme qui te frappe. Hey, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ce que tu as pu faire dans ma vie et m'a rendu heureux. Mais la meilleure chose serait que je dise à mes parents, hein, par où commencerai-je? Tu es prête et attends la personne oui, juste. Oui, oui, oui. Monseigneur, je ne sais pas ce qui ne va pas avec le prince Ikena. Il n'est pas d'humeur depuis hier. Alors il refuse de manger et de parler à quelqu'un. Ce n'est pas en rapport avec Amara. Nous devons découvrir. C'est bon. C'est vraiment très bon. Vas-y, fais-en un autre, s'il te plaît. Allez, mangeons-la comme ça. Attends, je vais te montrer. Vas-y. C'est parfait. Arrête. Je reviens, hein. Attends-moi là. Ok. Chimwe, et donc tu as eu l'audace de venir dans cette maison et être avec mon homme? Chimwe, tu n'as pas honte? S'il te plaît, qui est en train de parler? Hein? Qui est en train de parler? Je sens l'odeur que tu as héritée de tes parents. Chimwe, comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment tu peux mêler mes parents dans ça? Bien sûr que oui! Tu es malade? Tu es folle! Tu es revenu. Je suis là-haut. Assis-toi. Quelqu'un t'a dérangé? Attends d'abord. Ok. Prends les oranges. C'est vraiment secret. C'est tellement secret. Oh quoi, non? Oh quoi, ça irait bien. C'est vrai, ça? Mm-hmm. Toi, vraiment, hein? Merci beaucoup. Merci. C'est tellement secret. C'est vraiment secret. Mm.
Ma petite femme. Père. Et pardonnez-moi, père. J'ai commis une grave erreur, père. Pardonne-moi. Et crois-moi, père, ça ne va plus se répéter. Pardon, père. Tiens-toi debout, mon fils. Tiens-toi debout. Assieds-toi. Tiens-toi debout et assieds-toi. Tu peux mal agir, mais ce n'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas la fin de ton chemin. Tu peux te trouver une autre fiancée et continuer encore avec ta vie. Comme elle a refusé de ne plus revenir, comme tu l'as dit, ce qui est arrivé est arrivé. Alors, je l'aimais tellement beaucoup. Mais tu dois tourner la page. Nous t'aimons énormément. Et nous n'allons pas croiser nos mains en te regardant dans le regret. Nous attendons ta nouvelle fiancée, mon fils. Merci, père. Je pense que je t'avais interdit de ne plus venir ici, n'est-ce pas? Amara, reste loin de moi. Je suis là pour voir mon amour, les propriétaires de cette maison. Je ne suis pas venue oh, te Dieu, voir. C'est toi qui vas perdre maintenant. Hein, toi. Ah. Que se passe-t-il ici? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Mon amour. Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Mon amour, j'ai cru que tu étais morte. J'avais fait semblant. Hein? Hein? Anosie. Tu faisais semblant? Tu as tué Amara. Tu étais en train de faire semblant? Hey! Tu as tué Amara. Baisse ta voix. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? Que faisons-nous maintenant? Nous? Il n'y a pas question de nous ici. Anosie, tu es les concernés. Mais... Hey. Bien. Ma vie est maintenant sans dessus dessous. À quoi sert de vivre une vie remplie de regrets? Ma plus grande erreur était de désobéir à mon père. J'avais tort d'ignorer le cœur qui m'aimait réellement. Jinwei, que je pensais qui m'aimait, a regardé le problème et s'est enfui. À quoi sert la vie sans le vrai amour? J'ai vraiment tout fait foirer.
Je regrette mes actions. Par où vais-je commencer? Savoir ce que tu cherches ici. Ikenna, je suis désolée. S'il te plaît. Je suis désolée pour t'avoir blessée. S'il te plaît. J'étais confuse. Je pensais qu'il allait changer. Mais il devenait encore pire. Ikenna. Je suis prête. Je suis prête à t'appartenir. S'il te plaît. Ikenna, je ne vais pas te mettre. S'il te plaît. Je vais t'appartenir maintenant. Juste fais quelque chose, s'il te plaît. Bébé? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici Amara, la fille dont je t'ai parlé. Oh! Amara, comme tu peux le constater, suis-je passé à autre chose dans ma vie? J'avais dit la vérité à mes parents et ils m'ont pardonné. J'ai vu un mariage heureux. J'ai dû épouser la plus belle femme de ma vie. Et donc voilà. J'ai perdu. Le seul homme qui m'a montré l'amour et qui était prêt à m'épouser. Les fausses promesses d'Anosie ont aveuglé mon sens de raisonnement. À tel point que je perdis l'ange qui voulait me sauver. Ma vie est un pèlerinage.
Je sais que je t'ai fait mal de plusieurs manières, mais je t'en prie. Trouve une place dans ton cœur et pardonne-moi. Ma conscience n'arrête pas de me traumatiser pour toutes les méchancetés que je t'ai dites. Mais je t'en prie, reprenons tout depuis le début. Accepte-moi encore. Je promets de bien te traiter. Je promets d'être une meilleure personne cette fois-ci. Je t'en prie, pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Je t'en prie. Tu es désolé? Et si je mourais? J'étais aimée avec tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais. Tout ce que tu m'as apporté, ce n'est que de la douleur et la misère à nos yeux. Et tu veux que je t'accepte encore? Je t'en prie. Appelons ça stade d'adolescence. Je suis maintenant une personne changée. Ça n'arrivera plus jamais. Je promets de t'aimer, je promets de te chérir, je promets de très bien prendre soin de toi, je t'en prie. Je t'en prie, pardonne-moi et accepte-moi à nouveau. Je ne te ferai plus jamais de mal. D'ailleurs, je promets de venir payer ta dot. Je suis prêt à faire n'importe quoi qui te rendra heureuse tout le reste de ma vie. Je t'en prie, pardonne-moi, Amara. Je t'en prie. La souffrance que j'ai rencontrée en étant avec un osier m'avait quittée. Aucune femme pouvait supporter ce genre de souffrance. Si tu souffres dans une relation amoureuse, n'y pense pas des fois. Il faut partir. Ta vie est plus importante que l'amour que tu cherches. Dis-moi si tu t'étais rappelé de payer ta dot. Quelque chose que tu avais pris gratuitement. Donne-toi plus de valeur. J'ai été conseillée, mais j'ai ignoré. L'ignorance rend les choses difficiles. Alors, si tu es dans une relation toxique, pour ton bien, pour ta famille et pour les autres, sors de là. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.